Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 9e épisode du Let's Play sur GTA 3 The Definitive Edition. On va tranquillement continuer l'émission de King Kourney. Après, je dis tranquillement, mais en vrai, vu l'émission qu'il nous propose jusqu'à maintenant. Je sais pas à quoi m'attendre, mais ça peut être quand même assez hardcore, parce que sur les trois missions qu'on a fait, il y en avait quand même deux, elles étaient assez costauds, hein. Donc ouais, si ça monte en plus, encore plus en difficulté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, on repart, hein. Pas de temps à perdre. Cette fois-ci, on va pas faire une intro qui va durer quasiment 10 minutes. Ce n'est pas nécessaire, il s'est rien passé entre le 8e et ce 9e épisode. À la limite, tu vois, j'ai hâte de terminer en fait l'émission de King Kourney. Parce que j'ai vraiment peur maintenant, hein, de ce qu'il peut nous proposer. On va vite savoir, de toute façon, à quelle difficulté il va nous cuire. À nous le royaume! Ouais, encore les guerres de gang, quoi. Ouais, ok, bon, c'est récupération de colis, ça me paraît assez simple, dit comme ça. En réalité, déjà on a 1 minute 30. Ok, faut speeder d'office. Ouais, non, mais très bien, très bien. On n'a pas le temps, nous, hein. Attends, mais c'est loin ou pas? Non, ça va, c'est pas si loin que ça, mais c'est chaud comme niveau timing, non? Parce que, bon, je dis que c'est pas si loin, mais c'est limite à l'autre bout, en fait, hein, de Staunton Island, donc... Il y a quand même du chemin à parcourir, là. Hein. Après, c'est quasiment une ligne droite. Oh, on a de l'opéra, là, en plus, hein. À la radio, let's go! Non, ça va passer. Mais après, je me demande ce qui m'attend par la suite, parce que je me doute qu'il y a autre chose, hein, dans le cadre de cette mission. Il y a un petit plus, tu vois. Mais c'est quoi ce petit plus? J'en sais rien. Non, parce que là, on va arriver à temps, hein, c'est sûr. Ça m'étonnerait qu'il faut juste aller là-bas dans le temps imparti. Ça pourrait suffire, hein. C'est pas nécessaire d'en rajouter encore plus, hein. Oh putain. Oh non, 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 ce parking me dit quelque chose. C'est pas quand ils vont nous foncer dessus avec des bombes ou je sais pas quoi, là, il y a un délire, hein. Oh, ça me dit vachement quelque chose, cette mission. Cet endroit, plutôt. Il paraît que t'es... Eh bien, moi non plus. Je pense qu'il est temps pour toi de voir le pouvoir de la spank. Bisous, crève, sale chien, crève. Ouais, sympa, hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire, déjà? C'est ça, voilà, mais oui, c'est ça, putain. Oh oui, avec ils rigolent comme des fous, en plus. Oh merde. Détruis les camionnettes des fous furieux. C'était quoi la strat déjà? C'était à la grenade, non, que je partais? Je sais plus. Je sais plus du tout. Oh c'est chaud, oh c'est chaud. Il me semble qu'il fallait du coup détruire direct une camionnette. Parce que c'est des respawns en fait, hein. Détruire direct une camionnette pour couper le spawn et après je pouvais être tranquille. Oh ouais, ça va être compliqué. Oh, c'était un enfer cette mission, je m'en souviens très très bien. Mais je crois que j'y allais à la grenade, hein. Mais en même temps, oui, c'est sûrement la meilleure strat. Parce que à partir du moment où je détruis l'une des camionnettes, je pense après ça va aller. Parce que du coup, on aura coupé un spawn et on pourra du coup se mettre à la place de la camionnette. L'idéal d'ailleurs, c'est celle sur laquelle j'étais là actuellement. Je pense que c'est la mieux placée. Après, on est vraiment dans un coin, on est tranquille. Mais il faut vite la détruire et ne pas se faire exploser par derrière. Non, mais par contre, c'est vraiment de la folie, hein. L'émission de King Kourney, là, c'est un gros bâtard. Il nous propose les missions les plus hardcore. Oh, par contre, j'ai pas le souvenir que cette mission elle venait assez rapidement. Hein. Pour moi, c'était beaucoup plus tard dans le jeu. Après, je l'avais peut-être fait plus tardivement aussi. Alors que là, bon, on arrive à Staunton Island. Moi, direct, j'attaque les missions de King Kourney. C'est peut-être pas ce qu'il faut faire à la base. Faut peut-être attendre un peu, vu que. Ouais, ça a l'air d'être quand même des missions bien trop compliquées. Bon, après, là, de toute façon, je peux rien faire de plus. Non, hein, je suis full life. Si, il y a peut-être un élément qui m'aurait été plus qu'utile, c'est un lance-roquette. Mais bon, je vais pas attendre non plus d'avoir un lance-roquette pour faire cette mission. Hein. Je sais en plus qu'on débloque un lance-roquette en récupérant les 100 paquets, mais ça même, on peut pas le faire actuellement, hein, vu que bah, forcément, on n'a pas accès à la dernière île, donc on pourrait pas récupérer 100 paquets. Mais ce serait limite la technique la plus simple, hein, c'est d'y aller en mode lance-roquette. Hein. Mais c'est chiant parce que si d'entrée, tu vois, on pouvait bien se placer, mais là, en fait, on est en plein milieu de tout. T'as une camionnette, du coup, qui est là. Et même les grenades, tu vois, je vais rater au niveau de leur lancer, ça va être ça le truc. Hein. Donc, t'as une camionnette là, t'as une là. Donc, celle-ci, c'est celle qu'il faut focus. Et t'en as une là, du coup. Donc, il y en aura trois au total, c'est ça? J'ai pas eu le temps de trop faire gaffe, mais normalement, c'est ça. Hein. Bon.
Oh, quel enfer, là, avec leur rire à chaque fois, là, c'est fou. C'est fou furieux, là, c'est kamikaze. Comment c'est possible d'avoir regroupé autant de kamikazes au même endroit? C'est vraiment de la pure folie. Ah, il va falloir être agile avec la grenade, hein. Ils te mettent tellement la pression, là, c'est pas comme si tu pouvais tranquillement te placer et tout, non. Ils te mettent la pression, mais de fou, là, hein. Putain, vite, vite, on descend. Grenade. Hop. Putain, et là, il faut qu'elle... Oh. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ok, pas mal, vite. Vite. Putain, ouais, mais là, tu vois, après, c'est le problème, c'est qu'ils t'enchaînent, hein. Ok, on prend la K. Ok. Je dirais que limite, là, le plus compliqué est fait, peut-être. Je dis bien peut-être. C'est ça, leur camionnette, ou pas? Je suis pas sûr. Moi, je lui tire dessus, hein, on verra. Le problème, c'est qu'il y a la police aussi. Ok. J'espère que ça touche, parce qu'il y a l'autre camionnette, on la voit d'ici, donc c'est bon. Je suis pas sûr que je touche, en fait, à cette distance, hein. Sinon, je me rapproche, mais attention aussi. Voilà, c'est pour ça que je disais attention. Putain, j'ai plus que 40 PV. Ah, mais il y a une autre camionnette, là, encore. Il y en a 4, en fait, des camionnettes. Ouais, j'ai 2 étoiles, hein. Ok, ça c'est bon. Non, 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 non. Mais, ah, mais non, mais je l'ai même pas eu la camionnette, je crois encore. Ben non. Oh bordel, je suis mort, hein. Je pense que je suis mort, malheureusement. Oh putain de... Non, non. Oh là là. Bon, on a quasiment le truc, hein. On est pas loin de la réussite. Par contre, c'est chaud parce que tu vois, à cette distance, je peux pas. Ah, peut-être au sniper, par contre. Après, bon. Le problème du sniper, c'est qu'il faut que je me fasse pas attaquer pendant que je suis tranquillement en train de viser les kamikazes. Oh là là, la dureté de la mission, quand même, c'est fou, hein. Après, là, tu vois, si j'y arrive pour ce troisième essai, je suis très content parce qu'à l'époque, je sais pas combien d'essais il m'avait fallu, mais énormément d'essais. J'avais full ellipsé tout ça, là, je m'en rappelle très très bien. Ça a beau dater d'il y a 6 ans. T'inquiète, m'en souviens, hein, le traumatisme, hein. Mais pouah, c'est compliqué, hein. Qu'est-ce que c'est compliqué. Et dès que tu te prends une explosion, après tu peux te prendre un effet domino parce que en fait t'es stunt et t'es à terre. Donc ils peuvent t'enchaîner après. Donc faut limite ne pas se prendre une seule explosion. Bah ceux-là, tu vois, ils ont quand même réussi à vite m'enchaîner, hein. Et pourtant, j'ai réussi quand même à détruire la camionnette à Sapion. Après, dommage, la grenade ne l'a pas one-shot la camionnette. Tu vois, il m'a fallu une deuxième grenade. Si je l'avais directement explosé, ça aurait été beaucoup plus simple aussi, hein. Mais là, c'est vrai que tu pars sur cette mission en lance-roquette, c'est tranquille, c'est easy peasy. Mais là, on est obligé de faire ça, hein, donc voilà, hein. Mais sûr qu'en lance-roquette, là, la mission, tu la one-shot, hein. On va peut-être récupérer le paquet, d'ailleurs. Au moins, ce sera fait. Si après, faut revenir à chaque fois ici pour récupérer. What? Attends! J'avais récupéré le paquet qui était à l'intérieur, là, du bâtiment. Bah, il avait pas été sauvegardé? Bizarre. Très bizarre. Faudra aller le rechercher, du coup. Très très bizarre cette histoire. Bon, je l'avais lancé un peu trop loin en même temps. La première grenade là, il faut que je mette peut-être un peu moins de force dans le lancer. À chaque fois c'est compliqué aussi vu qu'il n'y a pas de jauge, tu sais pas. Hein. Tu sais pas à quel niveau tu vas la lancer. Hein. Ils sont effrayants avec leur rire et tout là, ils sont effrayants. Ouais, je pensais que j'avais détruit, tu sais, la camionnette là, mais non en fait elle est. C'est pas celle qui est garée du coup, donc j'étais pas bon, hein. J'étais clairement pas bon. Ah là, elle est pas mal, elle est pas mal. Ouais, quoi. Oh si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, ouais, là, tu vois, je me suis fait... Ouah, je me suis fait détruire, là, encore, hein. J'ai perdu mes 150, tu vois, PV d'office, hein. Ok, et le problème, c'est aussi qu'il y a la police, hein. Il y aurait pas la police, ce serait beaucoup plus simple, hein. Oh, attention, ils arrivent. Putain, tu peux pas être tranquille, en fait, hein. Je voudrais bien le faire au snipe, mais... T'es pas tranquille en fait pour le faire au snipe. Elle est détruite, je sais pas, non, je crois pas. Hein. 2 étoiles déjà. C'est bon, elle est détruite. L'autre, on va essayer de. Heureusement, ils sont bloqués par le mur. J'ai l'impression qu'à l'époque, ça faisait la même chose aussi d'ailleurs. Ils se bloquent sur le mur là. Je vais essayer de faire une strat sniper, hein. On va tenter ça, hein.
Regarde, attends. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Je suis même pas sûr que ça touche, hein. Ah, ça touche, si, si, on voit l'impact, hein. Ouais, bizarre quand même que... Oh non, ils ont réussi à passer! Non, mais comment ça? Ils étaient censés être bloqués! C'est un enfer, cette mission! C'est un enfer! Oi, 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 oi. Encore une fois, je me mets à la place des développeurs. À quoi ils ont pensé quand ils ont créé cette mission, sérieusement? Il y a un problème, quand même, je sais pas, il y a un problème. Ah, les développeurs, quand même, à l'époque, à mon avis, ils avaient un peu de QI, hein, quand ils ont créé leur jeu, hein. Non, mais tu vois ça sur des jeux actuellement, le jeu il se fait déglinguer. Hein. Heureusement que tu vois, c'est un vieux jeu qui date des années 2000. Mais là, je peux pas te permettre de faire ça sur un jeu qui sortira en 2022. Hein. C'est clairement un très mal fait en termes de game design, tu vois. Il y a un gros souci. On fait le critique, hein, on se le permet. Mais bon, en même temps, là, non, hein, y a un réel souci. Hein. Mais après, moi, ce qui me fout droit, c'est qu'il le modifie pas pour la Definitive Edition, ce genre de truc, tu vois. Mais le problème, c'est qu'avec Definitive Edition, ils ont voulu vraiment faire aucun changement hein, en termes de gameplay. Enfin, en termes de gameplay. En termes plutôt de mission, tu vois, changer des petits éléments sur quelques-unes des missions. Ça, ils ont vraiment pas voulu le faire. Hein. Ils ont voulu vraiment laisser les jeux tels quels. Hein, mais c'est parfois pas forcément une bonne chose parce que tu te rends compte quand même que, bon, il y a certains éléments qui ont besoin d'un petit lifting. Hein, des petites modifs quand même pour les rendre un peu plus jouables. Parce que quand même, au bout de 20 ans, ça vieillit mal. Hein, certains éléments. Quoi. Ça en est la preuve, ça, d'ailleurs. Clairement, wow. Toutes les missions de King Courneige Invasion, elles ont très très mal vieilli, en fait. Hein. À part la course, c'est l'exception, mais sinon, wow. Parce que même, en vrai, la récupération des véhicules, sur un jeu actuel, il t'aurait mis l'emplacement des véhicules. Après, bon, moi, je savais où ils étaient, donc ça allait, mais je tiens quand même à noter ça aussi. Hein. Allez. Bon, du coup, la troisième n'était pas la bonne. Peut-être la quatrième. Là, c'est chiant aussi. Je me suis ramassé direct 152 de dégâts, tu vois. D'un coup, donc c'était hard aussi. Hein. Allez, allez. Oh, elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ok, elle est magnifique celle-ci. Je suis full life. Ok, pas mal. On va peut-être commencer par ça. Je suis trop loin là encore, je pense. Hein. Après, est-ce qu'en explosant cette camionnette, ça aide pas à exploser l'autre? Peut-être. Ça touche, poisson, là, je crois. Hein. Ça a l'air de toucher. Interception. On va peut-être se rapprocher. Pas trop, parce que j'ai peur que ceux qui sont bloqués par le mur, après, ils vont réussir à parvenir jusqu'à moi. Ok, hop, toi, t'es éliminé. Il reste plus que les deux. Ils sont résistants quand même, hein, les fourgonnettes, là, je trouve. Hein. Ils sont très très résistants. Hein. En vrai, là, c'est bon, en vrai. Parce que... Ah, mais ils sont bloqués par les poubelles, c'est bon, j'ai enfin compris. Qu'est-ce qui bloquait? Bon, du coup, lui, il devrait pas poser de soucis, on est d'accord, hein, j'espère. Ah, il pose soucis, pose soucis, pose soucis. Non. Non. Aïe! Ouais, ça va, j'ai pris 8 PV de dégâts. C'est bon, là, normalement, on est bon. Le quatrième essai devrait être le bon essai. Allez, 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 c'est bon. C'est bon. Ok. Toi, on t'explose. Fouh! Un cadeau du King! Trophée argent! Ouais, tu m'étonnes, ouais, que c'est mérité, quand même, le trophée argent. Ah, ça va, par contre, on perd les étoiles. Hein. Oh, c'était compliqué. Hein. Faut vraiment la bonne stratégie. Sans lance-roquette, qu'est-ce que c'est compliqué, hein. Je vous ellipserai même pas, je pense, je vais tout garder. Comme à l'époque, limite, tu vois. Non, mais c'est intéressant, là, je pense, de montrer les différentes tentatives plutôt que d'ellipser directement, de vous montrer limite que la première tentative et de basculer sur la réussite, là. C'est bien de voir l'évolution. Après, peut-être que vous allez trouver le format un peu chiant. Je sais pas, ça reste à voir, mais... Non, de mon côté, je trouve ça intéressant de vous proposer tous les essais sur ce genre d'échec. Bon, c'est bon, on est débarrassé de King Courneige. Ouf, bonne chose de faite, hein. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que là, du coup, la difficulté va baisser. Avec les Yakuza. Ah, je m'attends un peu plus de facilité maintenant. Là, de toute façon, on était sur un pic de difficulté un peu trop présent. Hein. On va quand même aller sauvegarder. Ouais, on va aller sauvegarder. Est-ce que d'ailleurs, je récupérerai pas directement du blindage? On verra ça après, sur le chemin. Mais avant, on va sauvegarder. Pfiou!
une bonne chose de faite. En tout cas, c'est sûr qu'à l'époque, il m'avait fallu beaucoup plus que 4 essais pour y parvenir. Donc, ouais, c'est bon. Parce que je pense que déjà, il m'avait fallu énormément d'essais afin de comprendre comment s'en sortir, tu vois, pour déjà un peu lutter. Parce qu'au début, si je me souviens bien, je me faisais vraiment juste enchaîner comme jamais et j'arrivais même pas limite à défaire tu vois, une camionnette. Là, ça va, j'avais le souvenir qu'effectivement, j'utilisais la grenade. Hein, il me semble que j'avais fait ça à l'époque, mais... Pareil, la grenade, du coup, je l'avais peut-être utilisée au bout du 4e, 5e essai à l'époque, voire même plus. Hein, donc là, bon, forcément, ça facilite un peu la tâche. Hop, les filles de Luigi, ça dégage. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre maintenant? Mais du coup, ça veut dire que c'était juste un contact de l'histoire principale qu'on avait au niveau du parc? C'est pas un contact téléphonique? Ouais, il semblerait que oui, en fait. Hein. J'ai plus le souvenir, du coup. Hein. Moi, je pensais vraiment que c'était contact téléphonique, mais en fait, non, hein, je me suis trompé. Mais en même temps, non, parce que tu lui rendais visite dans les toilettes, justement. Donc ça pouvait pas être un contact téléphonique. Vu que tu lui rendais directement visite en physique. Voilà, c'est ça. Ouais, hein, c'est vrai quand on y pense. Hein. Mais t'es sérieux, mais Yardis, par contre, il me tire dessus? Mais pourquoi? Je lui ai rien fait. J'ai fait que les aider. Ouais, vas-y, on n'est jamais tranquille. Hein. Ah, vas-y, allez, on prend tout. Total. On se ravitaille de fou. Mais j'avoue, c'est chiant, là. Je trouve qu'en fait, là, j'ai récupéré du blindage, mais ça servait à rien, vu qu'ils vont mettre... Bon, vas-y, regarde. Ouais, mais vraiment, c'est de la merde, ça, encore. Hein. Mais regarde, du coup, j'ai acheté le blindage pour rien. Hein. Mais fais chier. Mais fais chier, j'en ai même perdu plus. Mais c'est de la merde. Je vais passer mon temps à me plaindre. Hein. Mais je peux rien faire, bordel. Je vais aller à pied. Je m'en fous, je vais aller à pied. Mais quelle bande de bâtards. Je suis obligé de repasser ici après, du coup. Il y en a combien, en plus? Mais ils sont combien? Mais... What? Mais lâchez-moi! Wouah, non mais c'est abusé, hein, non mais... Il y a un vrai problème hein, sur ce jeu, hein. Mais regardez ça, mais... Je vais mourir. Je vais mourir, sans blague. Mais ils sont combien? Ils sont combien à chuter sur moi, là? Faut juste que je parvienne à la mission et après, c'est bon. Oh, ouah, non mais vraiment, mais... Je n'ai pas les mots, hein, pour qualifier ce qui se passe là. Non mais c'est sûr que ça, à l'époque, il n'y avait pas, hein. Ça, je vous dis, c'est Made in Definitive Edition, hein. Ça vient vraiment de la Definitive Edition, c'est fou. Oh. Prenons notre souffle à nouveau. Nous proposera des missions, Kenji, ça je m'en souviens. Voilà, oui, c'est ça. Ce sera un contact. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. Quoi? Oh, on va devoir éliminer le FBI, là? Allez, vas-y, toujours plus. Oh, mais j'en ai marre. Calmez-vous. Oh non, mais ils sont encore là. Mais bordel, ils sont là, maintenant! Oh, j'en peux plus, c'est pas possible. C'est quoi cette mauvaise blague? Mais je vais pas encore pouvoir partir d'ici, moi. Vite, vite, vite. Oh, non mais c'est j'ai vraiment pas les mots là hein. Surtout que là c'est comme par hasard une mission chronométrée, donc j'ai même pas le temps de bien passer tranquillement à l'amination. Mais ils sont encore plus énervés que les triades et la mafia là, je sais pas pourquoi hein. Je les ai aidés, je comprends pas. Ok, il y en a juste en face mais. Oh non, ils vont jeter encore sur moi, je suis dans la merde. Et en plus je me suis mal garé, bah oui mince, je me suis garé trop en avance là. Oh j'en peux plus, mais là je suis à un niveau de. Wouah, de fatigue hein, avec ce jeu. Hein. Il me fatigue ce jeu, il me fatigue. Non, mais c'est pas possible. Mais je peux même pas attaquer la mission avec tout. Mais vas-y, mais laissez-moi tranquille. Mais je vais péter un câble. Non, mais no joke, on peut rien faire. Ça, par contre, c'est juste un coup de malchance, je pense. Hein. C'est pas normal qu'il y ait autant de mecs ici. Hein. Je suis bloqué, je peux rien faire. Je peux rien faire. Et je peux pas partir à pied, ils me poursuivent. Comment on va faire? Non mais je suis bloqué là. Je suis sûr que je suis obligé de reprendre mon ancienne sauvegarde. Hein. C'est impossible. Heureusement que je sauvegardais d'ailleurs, mais c'est impossible, je peux rien faire là. Ils vont pas me lâcher de toute façon, et regarde la vie que j'ai. Après je sais pas ce qui m'attend comme mission, si bien je peux m'en sortir avec de cette vie là, mais... Ouah non mais c'est abusé, full abusé. Regarde, ils sont une dizaine derrière moi. Ouah, bon. On va essayer de se débrouiller comme ça, mais vu que je sais pas ce qui m'attend... Peut-être que ça va pas être bon hein, d'avoir si peu de vie. Hein. Oh,
c'est vraiment n'importe quoi. Si je m'en sors à one shot cette mission vu comment on la commence, c'est fou quand même, hein. Ok, donc là ils sont postés ici, bah, je peux les sniper du coup eux par contre. Je peux carrément les sniper là, pourquoi ça a pas pris le sniper? Ok, c'est bon. Hop. Bon en vrai si on peut tous les buter comme ça, ça ira assez vite, hein. Et on sera pas trop dans l'embarras. Et je suis pas sûr que ça va être aussi simple à chaque fois, hein. Ah non non non. Même là mon véhicule en fait il fume déjà, donc faut que je le change, hein. Oh, et là je vais choper une étoile, tant pis. J'ai pas le temps de toute façon. Mais je vais sûrement choper une étoile, il y a la police juste à côté. À moins que... Ok non c'est bon, ça passe. Allez. Là ce sera vraiment une satisfaction personnelle si j'arrive à one shot cette mission. Parce que vraiment elle a commencé de la pire manière possible, hein. On était déjà dans la sauce avant que la mission commence, donc ouais non. Oh la dinguerie vraiment. Je pensais pas autant me plaindre sur la Definitive Edition, mais au final, bah, un peu obligé en fait. Hein. C'est tellement, il y a tellement des choses qui vont pas que... Ouais. Allez, allez, on arrose, allez. Ok, c'est bon. Normalement, ils vont exploser avec, à moins qu'ils vont avoir le temps de décale. Non, c'est bon, ok. Ça me dit quelque chose d'ailleurs maintenant cette mission, hein. Maintenant qu'on avance un peu là, dans sa progression. Effectivement ça me dit quelque chose. C'est qui encore qui veut ma peau là? Mais non c'est même les PNJ basiques, hein, ils veulent ma peau eux aussi. Oh mamma mia, non mais y a un vrai problème là. Mais pourquoi ils veulent ma peau? Je vous ai rien fait. Lâchez-moi. Alors là qu'est-ce qu'il va falloir faire? Dernière étape, on a 3 minutes. Ils sont où? Attends. Ah putain ils sont sur le toit. Ok. Alors j'aimerais bien les sniper mais... Il y a lui là qui veut ma peau. Putain mais je suis obligé de le buter, hein. Non mais regarde, mais j'en ai marre, mais c'est pas possible, il y a tout contre moi dans cette mission. Il y a vraiment tout contre moi. Il meurt pas de toute façon. Oh là là. Bon on va dire qu'il est bloqué, hein. Je suis même pas sûr qu'il soit bloqué. Vite, sniper. Je vais même pas avoir le visu, hein, d'ailleurs, hein. Je pense sur tous les mecs. Ok là ça passe. Oh, il y en a beaucoup en plus, hein. Ça peut passer, en fait. Oh, let's go. Oh, le miracle. Oh, c'est un miracle. Oh, je suis désolé, non, mais j'ai jamais vu ça. Alors, on a vraiment eu tout contre nous. Les Yardies, là, qui nous aggra dès le début de la mission, qui continuent à nous aggra après la cinématique. Impossible, après, de s'en sortir de la Munation. Là, t'as même, du coup, les PNJ qui nous attaquent et qui veulent nous écraser. Il y avait tout, il y avait vraiment tout là. Oh, waouh, 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 waouh. Mais par contre, j'espère que ça va pas être ça à chaque fois qu'on va à la Munation, hein. Parce que sinon, je vais jamais pouvoir prendre du blindage tranquillement. En fait, à chaque fois que je vais sortir, je me reprendrai des dégâts et ainsi de suite, hein. Un cercle sans fin. Donc, ouais, on va sauvegarder avant. En vrai, maintenant, je pense qu'on est arrivé à un stade du jeu où il faut sauvegarder après chaque mission. Parce que bah, après, si on meurt et qu'on va à l'hôpital, et ça peut largement arriver là, vu ce qui se passe, on perdra toutes nos armes. J'ai la flemme de perdre toutes mes armes. Donc non, il faut sauvegarder, il n'y a plus le choix là. Hein. Certes, on perd un peu du temps à retourner à chaque fois ici. Même si bon, après, c'est assez proche, donc ça va. Hein, mais il n'y a pas le choix, il n'y a vraiment pas le choix. C'est une dinguerie là. Hein. Ah, j'arrive même pas à comprendre comment j'ai pu survivre à cela. C'est... Ouais, on est sur un miracle, hein, un petit miracle quand même. Hein. Plutôt solide. Alors, hop, parfait. Et du coup, on va attaquer une troisième mission. Non, c'est ça, ouais, une troisième mission. Bon, on va quand même garder ce véhicule, même si là, il est dans un état plus que déplorable. C'est juste pour aller à l'Amination. Mais vu que ça, c'est le quartier des gardes, on a la merde, hein. Mais il faut que je comprenne quand même un truc. Pourquoi ils nous attaquent? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils nous attaquent alors que... on a tout fait ce qu'il fallait faire pour les missions avec eux. Et au final, la récompense, c'est qu'ils nous attaquent. Aïe, parce que là on est vraiment arrivé à un stade où c'est assez similaire en fait à la situation de Portland, hein. On est autant dans la sauce. Oui par contre l'Amination c'est par ici. Et là essaye de faire les missions ambulanciers maintenant avec eux en plus qui t'attaquent. Là c'est vraiment mission impossible, hein. Là non là t'as encore plus de... Et ouais non mais c'est vraiment en fait leur quartier, hein. Bordel. Il y a un policier peut-être qui va pouvoir me sauver la vie limite. Je me faufile là, hein, ni vu ni connu. La 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 la.
Ok. 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 On se casse. Ah mais le problème c'est qu'il y en a partout, hein. C'est toujours pareil en fait. Hein. Mais ça je suis persuadé que c'est la Definitive Edition. Hein. Il y en avait clairement pas autant à l'époque et j'ai même pas le souvenir que je me faisais attaquer comme ça à l'époque. Regarde, alors en fait on va se retrouver encore. Non c'est bon. J'ai comme une étoile. Oh. Ouais, on va faire un grand tour comme ça, ils vont pas nous poursuivre. Parce que sinon tu vas voir que quand on va lancer la mission, on sera à nouveau avec eux qui vont nous attendre. Mais c'est pas possible par contre si vraiment à chaque fois c'est comme ça là, avec l'ammunition, ça va être un enfer. Hein. Je suis désolé mais non, hein, ça va pas le faire du tout là. Hein. On peut même pas aller à l'ammunition tranquillement quoi. T'es attaqué à tout va. Hop. Alors. Qu'est-ce qui nous attend cette fois-ci? Purge de paparazzi. Ouais, très bien. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably un bon prétexte pour partir en vacances. Steal a police boat and sink his career. Quoi? Voler un bateau de la police? Mais pourquoi pas voler juste un bateau? Oh merde, ça sent mauvais encore. Mais ils sont fous, mais ils sont complètement fous. En plus, bon, dès qu'on a la partie aquatique là qui rentre en compte, on est dans la merde, hein, parce que à tout moment on tombe dans l'eau et c'est une fin de partie. Aïe 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 aïe. Ah mais c'est bon, le bateau de police est juste ici. Ouais mais on va choper une étoile non en le volant, non, même pas. Ah non, même pas, jure, il n'y a pas de conséquences. Bon, en fait peut-être que la mission va être plutôt simple. Attends, ça tire sur les côtés du coup, attends. J'ai l'impression que ça tire sur les côtés, ouais. On va voir, hein. On va se mettre sur ses côtés et si ça fonctionne, c'est que c'est bien ça. C'est bizarre quand même du coup. Enfin, je vois pas où sont les mitrailleuses effectivement là. Déjà là, faut réussir à le rejoindre, ce qui est pas forcément évident là, de ce que je comprends. Bah, vu comment ça tire, oui, normalement c'est ça. Hein. Après là, bon, pour l'instant, j'arrive pas à savoir si je lui mets réellement des dégâts, mais. Bon, si on voit qu'il commence à fumer, c'est que ce sera bon, hein. Ah bah oui, de toute façon, attends, il y a la jauge. Ah non, du coup, c'est devant. Ah non, c'est bien de devant, ok. C'est juste que, bon, tu vois que les tirs, ils partent sur les côtés, mais en fait, non, c'est bien de devant, ok. C'est vrai que je regardais pas la jauge de dégâts, c'était le premier truc à regarder, hein. Attention, parce qu'aussi bien s'il rejoint un endroit en particulier, après, c'est une fin de mission, hein, donc faut vite le fumer. Bon, je pense que là, on va être bon, hein. Enfin une mission simple, oh là là, ça fait plaisir quand même, hein. Je pensais que ça n'existait plus, c'était terminado. Il y a un contact téléphonique là par contre. Je pense que c'est comme les Diablos où ils vont nous remettre peut-être la première mission de King Cournet, mais vu que c'est pas sûr, on va quand même aller vérifier. Hein. Mais j'avoue que ouais, on a le retour du logo, donc c'est un peu bizarre. Hein. Ah mais non, mais je suis con, on est au niveau de Portland, c'est pour ça. Non, c'est mission d'El Diablo, ok, c'est bon. C'est quand même bizarre que le logo il reste, mais surtout qu'à l'époque c'était pareil, hein, il me semble. Hein. Donc ça pour moi c'est plus un bug, et tu vois c'est un bug qui est resté sur la Definitive Edition. Mais comment est-ce possible? Oh. Bon vas-y, hein, on va partir comme ça. Là au moins je suis sûr que je vais pas trépasser dans l'eau. Hein. Quoique, attends, hop, voilà. J'ai failli encore rejoindre l'eau là, donc non. C'était pas le deal. Ok, alors un véhicule, je vous prie. Bon, il y a toujours des missions du coup avec elle. Ça continue. Est-ce qu'on se fait une dernière mission du coup? Allez, on va se faire une dernière mission là. Vas-y. Va pour ça. Après, on aurait pu s'arrêter là aussi. Hein. Bon, on va quand même enchaîner. Vais-je regretter de pas sauvegarder? Je sais pas. Mais on va pas sauvegarder. Quoique, en fait, si. Oh, si, on peut sauvegarder en fait. Tu vois là, t'as à nouveau les cartels qui me tirent dessus. Hein. Oh là 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 là, après là je me dis il y a quand même des endroits de Staunton Island qui sont calmes où il n'y a pas de yardies et pas de cartel, mais. Ah, t'es quand même souvent dans la sauce hein. Regarde ici là, oh là là là, c'est bien les cartels. Même ici là au niveau de ma sauvegarde ils sont en train de m'attendre, bordel. Mais lâchez-moi, de toute façon là il. Ouais, limite faudrait que je reprenne après la sauvegarde pour qu'ils soient pas là à nouveau. Hop. Parce que sinon là ils vont être de retour je pense hein. Non, ça va pas les faire despawn, quoique si peut-être en fait. Bon, partons. Moi j'ai pas besoin de repasser à l'Illumination.
C'est déjà une très très bonne nouvelle. Faut s'en satisfaire. Et aussi bien là, je vais me lancer dans une mission des plus compliquées. Je vais regretter de pas avoir arrêté l'épisode. Oh, je sais pas ce qui m'attend en même temps, mais ouais, si bien je vais le regretter du coup. Hein. Croisons les doigts pour que ce soit une mission plutôt simple. Qu'elle soit rapide ou non, ça honnêtement je m'en fous, c'est juste la simplicité là. Parce que bon, si la mission est longue mais qu'elle est simple, on va la one shot. Si elle est courte mais qu'elle est compliquée, on va pas du tout la one shot. Hein. Donc ouais, c'est ça le deal. Jour de paye. It's my handsome handyman. Maria's all tied up at the moment, but I'll tell her you called. Ouais, Chloé au lit, ouais, je comprends, hein. Understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Ouais, bon, pour l'instant, ça dit pas grand-chose sur qu'est-ce qu'on va devoir faire. Mais bon, si tu le dis. Ah, c'est encore une mission chronométrée. Ouais. Non, mais c'est pas possible, mais si, il y en a un. Mais d'où il y a un Yardis ici qui nous attend. J'en peux plus. Waouh, là. Eh non, mais c'est compliqué hein, de gérer, de les gérer. Hein. Bordel. Mais comment ça se fait qu'il y a des Yardies alors que ça devrait être plutôt le quartier, je dirais, de la mafia, mais non. La mafia, ils sont même pas... mafia, Yakuza d'ailleurs. Mais les Yakuza, ils sont même pas installés, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'hommes, en fait, dans les parages. Oh, j'en peux plus, hein. Mais là, d'où il y en avait un qui m'avait attendu, je comprends pas. Hein. Bon, du coup, on n'est pas full life. Tant pis. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être prendre un nouveau... Ouais, je vais prendre un nouveau véhicule, on sait jamais. Hein. Parce qu'aussi bien, c'est une mission, il faut être en voiture. En voiture, Simone. Donc, vaut mieux pouvoir qu'on ait un véhicule un peu robuste. Qui ait de la vie, en tout cas. Qu'est-ce que ça peut être, ça, comme mission hmm. Alors, la cabine téléphonique, elle est là, ok. Alors, le timer, je pense, c'est pas que pour atteindre la cabine téléphonique, hein. Oh, c'est un relais de cabine, c'est ça? Je crois que c'est ça, hein. Ok, ça peut effectivement me dire quelque chose. Bon, c'est juste ça, un relais de cabine, ça va le faire, hein, tranquille. Bon, faut quand même un peu se dépêcher. Mais bon, c'est juste, finalement, une mission où on doit conduire, quoi. Il n'y a pas d'adversité. Au-delà, sûrement encore des cartels et yardistes qui vont nous mettre in the sauce. Évidemment. Quoique, attends, justement, c'est ça, c'est pas une mission qui était un peu chaude au niveau timing, où c'était compliqué, justement, de faire le relais, là. Fallait, en tout cas, vraiment se dépêcher. Oh, purée, maintenant, ça me dit quelque chose, effectivement, je crois. Ah ouais. Je crois que c'est un truc assez compliqué, quand même, vu qu'il me semble que je l'avais recommencé plusieurs fois, cette mission, hein. Bon, bah, on va voir, hein, de toute façon, hein. Au pire, bah là, on fait l'échec, et après, au moins, on va savoir où il faut se placer en termes de rapidité et tout. Hein. On prend la température, quoi, en gros. Du coup, c'est vrai que là, au début, je me suis pas forcément précipité, hein, mais il le fallait. Hein. Bon, là, mais du coup, maintenant aussi, je me précipite, mais c'est peut-être un peu trop tard, déjà, je sais pas. On arrive sur la troisième, on est à la moitié du temps. On va faire le tour, d'ailleurs, par ici. Au moins, là, on ne sera pas attaqué par les cartels. Bon, au final, en vrai, de toute façon, on est obligé de passer par là. Je perds du temps. On va plutôt, du coup, passer côté stade aussi, ici. Hop. Et là, du coup, faut passer par là. Ok. Alors. Bon, je devinais bien que c'était pas la dernière, mais par contre, j'espère que la prochaine, c'est la dernière, parce que là, il reste une minute, on n'aura jamais le temps d'aller sur une cinquième. Hein. Ça va être beaucoup, beaucoup trop chaud. Il faut que ce soit la dernière. J'ai comme qui dirait un pressentiment qu'il y en aura 5, hein, des cabines et pas 4. Est-ce que après ça s'arrête là, en plus? Est-ce que ça s'arrête aux cabines téléphoniques, ou qu'est-ce qu'il fait, le camion poubelle? Ou est-ce qu'il y a un autre truc à faire? Je pense pas, ouais. À mon avis, ça doit juste être ça, un relais de cabine téléphonique. Tu vas voir, il va y en avoir une cinquième. Hein. C'est vraiment une histoire où le timing est serré. Effectivement, il y a moyen d'en avoir calé une cinquième. Hein. C'est juste que c'est très trop après d'y parvenir, mais que c'est quand même possible. Forcément que c'est possible. Parce que regarde, il me reste 30 secondes. Ah si, sûr. En fonçant un peu plus, après, j'aurai le temps d'en rallier une dernière.
Ah, c'est le fameux contact des toilettes. Je commençais à me dire aussi que c'était possiblement lui. Bah du coup, il y a moyen en fait, hein. Il y a moyen que j'y arrive. Ah mais c'est bon, il n'y a plus de timer. Oh. En fait, ça va, le timing n'était pas trop serré. Bon, c'était peut-être pas la mission à laquelle je pensais, ou alors peut-être qu'à l'époque j'avais galéré, je sais pas. Mais ça me semble être bon. Donc on va déverrouiller un autre contact. Oh, on va voir combien de contacts à la fois. À moins que ce soit la dernière mission avec elle. Peut-être. Peut-être, peut-être. Et ben voilà! Là, normalement, c'est une réussite. You must be Azuka's new errand boy. You got the money? Is it all here? I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from Internal Affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm gonna need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. Ouais, donc ça débloque le contact. Parfait. Eh, alors je sais plus c'est quoi son nom, ouais, à lui du coup. Ah non, on a trois contacts, hein. Ah, il y a le choix, hein, même si bon, on va rester sur la même continuité. Et après, de toute façon, on enchaînera avec Kenji aussi, hein, je pense. On va faire les deux, et puis lui, vraiment dans un dernier temps. Eh ben parfait, on arrive quand même à bien s'en sortir dans cet épisode. Ça fait quand même 4 missions plutôt, de réussite. Donc quand même quelques missions pas très très simples. Donc non, plutôt content. Du déroulé. Ah, il faut s'accrocher quand même, hein. Vis-à-vis de ce qui se passe. Non, là, c'est surtout maintenant là, les gangs qui nous posent de gros gros problèmes, hein. Les yardies, plus précisément, parce que les cartels, ça va. Par rapport à là où ils sont, ils nous posent pas tant que ça de problèmes. Mais les Jamaïcains, là, ils sont un peu trop on fire, hein, je trouve. C'est pas possible. Alors, linge sale, hop, ça dégage. Et c'est plutôt parfait. Eh ben, let's go du coup. J'espère que ce 9e épisode vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, de commentaires et de partages. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Bien évidemment, on se retrouve du coup très très vite pour la suite avec le 10e épisode. Allez, bye tout le monde. Oh yeah!